De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains, et de nos éditorialistes, Grâce à Rukindi Kissa et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Le Bénin a connu 11 présidents depuis l'indépendance. 3 sont aujourd'hui toujours en vie. Certains ont choisi de se retirer de la vie politique après leur départ. D'autres, au contraire, ont préféré rester sur la scène nationale. Mais dans tous les cas, leurs avis restent très écoutés. Un reportage de Franck Moudofina. Des indépendances à nos jours, la République du Bénin a connu 11 anciens présidents. Des militaires, mais aussi des civils. Parmi eux, 3 sont encore en vie. Émile Derlin Zinsou, 96 ans, Mathieu Kérékou, 81 ans, et Nicéphore Dieudonné Soglo, 80 ans. Tous n'ont pas connu la même longévité à la présidence, mais à un moment ou à un autre de l'histoire du Bénin, ils ont passé le pouvoir, même s'il est vrai que les conditions de ces transitions politiques ne sont pas les mêmes. Au Bénin, les anciens présidents sont bien souvent consultés et leur avis compte beaucoup lors du règlement de certains différends au sein de la classe politique. Quelle vie après le pouvoir pour ces anciens chefs d'État? Se sont-ils véritablement éloignés de la politique? Quel regard portent-ils sur la classe politique aujourd'hui? Émile Derlin Zinsou est le plus âgé de tous les anciens présidents encore vivants au Bénin. Mais il est aussi celui des 3 qui a fait le moins de temps au pouvoir. C'est le 17 juillet 1968 qu'il prend le pouvoir, 8 années après l'indépendance. Mais très vite, un putsch le renverse. Nous sommes en décembre 1969. Le jeune médecin né le 23 mars 1918 à Ouida, au sud du Bénin, a fait son entrée en politique au lendemain des indépendances. Au fond, j'ai trouvé la politique au berceau. Parce que mon papa, instituteur, et ses amis, ses collègues et amis, quand il se passait quelque chose quelque part dans les territoires français, il était à l'écoute, mais juste. Ils étaient révoltés par les injustices, par l'injustice commise à plus de 2000 km, 3000. En 2012, l'ancien président Émile Derlin Zinsou a publié la première partie de ses mémoires. Plus que des mémoires, c'est l'histoire récente de l'Afrique que l'observateur béninois raconte. Il appelle la jeunesse à plus de patriotisme. C'est à la fois un message d'examen de conscience et un message d'espérance. Examen de conscience parce que malgré le fait que nous ayons passé par des événements qui sont fondamentaux pour le développement de notre pays, nous n'avons pas tout fait ni tout dit. Nicéphore Dieudonné Soglo est le seul des anciens présidents du Bénin à être encore présent dans la sphère politique aujourd'hui. Maire de Cotonou, la plus grande ville du Bénin, il est devenu président de la République après l'historique conférence des forces vives de la nation en février 1990. Il connut un seul mandat, 1991-1996. D'abord Premier ministre du Haut Conseil de la République, il a été l'un des acteurs importants dans l'aboutissement de la Conférence des forces vives de la nation. La Conférence nationale a été une rupture, une prise de conscience. Et c'est en même temps un apprentissage avec à la fois ses succès et puis également ses échecs. Mais nous en avons tiré la leçon. Au Bénin, il est quasiment impossible de parler de la révolution de 1972 sans évoquer le général Mathieu Kérékou. L'ancien militaire de 81 ans a dirigé le Bénin pendant 29 ans. Même s'il est vrai que les réactions sont controversées sur le bilan de son passage à la tête du pays,
Beaucoup reconnaissent le rôle important de celui qu'on surnomme le caméléon dans le cadre de l'alternance politique en 2006. Je voudrais humblement inviter les candidats à la magistrature suprême de notre pays à faire preuve de retenue afin que les élections présidentielles se déroulent dans la paix et le respect des valeurs républicaines. Les angoisses et inquiétudes agitées ça et là au niveau de nos populations ne nous honorent guère. Nous sommes les enfants d'une même nation. Pour beaucoup de jeunes au Bénin aujourd'hui, les anciens chefs d'État suscitent le respect. Pour eux, le rajeunissement progressif de la classe politique aujourd'hui au Bénin est le signe de la bonne marche du processus d'alternance au pouvoir. Les jeunes à la tête des États, à la tête des institutions, c'est d'abord une révolution. C'est d'abord un changement de la façon de voir les choses. C'est d'abord un changement dans la façon de faire les choses. Et donc vous allez constater que les pays qui sont gouvernés par des jeunes ou les institutions qui sont présidées par des jeunes sont des institutions qui donnent une certaine accessibilité aux nouvelles technologies, aux méthodes modernes de gouvernance. Et je pense que c'est l'apport des jeunes, ça. Au Bénin, les anciens chefs d'État bénéficient d'un statut juridique qui leur donne des avantages matériels et sécuritaires, de quoi leur permettre de continuer une vie normale après le pouvoir. Tous se sont illustrés dans la résolution des différents préélectorales de 2011. Aujourd'hui, toujours disponibles, ils sont prêts à donner de leur énergie pour un bon aboutissement du processus électoral devant conduire aux municipales et législatives de 2015, mais aussi à la présidentielle de mars 2016. Monsieur Camara, comment expliquer que les anciens présidents du Bénin soient aujourd'hui toujours consultés lors de crises ou de moments importants de la vie politique ? Le Bénin a été victime de plusieurs coups d'État, mais ce qui est bien chez les Béninois, c'est qu'ils savent tirer des leçons de leurs défaites, des morts qui ont été à l'époque du côté aussi bien de Ahmadougué. Il y a eu naturellement quelqu'un qui était avec le président Fouad Boigny qui venait régulièrement à Abidjan. Et puis entre-temps, le caméléon qu'on appelle Kérékou a mis fin à cet état de choses. Coup d'état sur coup d'état, il a pris le pouvoir. On ne le donnait pas pour longtemps, on disait, voilà, il n'avait pas une formation. Il a mis de l'ordre, il a fait de la résistance, il a éduqué les masses populaires et il a dit c'est le patriotisme et rien d'autre. Entre-temps, il est parti, il y a eu la conférence nationale, on lui a dit, vous avez fait un certain nombre de temps au pouvoir, il va falloir s'en aller. Il est parti, Kérékou, très intelligemment, quand bien même par la suite il est revenu. Ce qui veut dire que ce sont des gens sages. Ce qui est bien chez les Béninois, c'est toujours tirer des leçons du passé. Vous savez, la sorte du Mandé, au XIIIe siècle, au moment où, évidemment, l'Empire du Mali était à son apogée, tout ce qui se fait actuellement, si les Africains avaient suivi la sorte du Mandé, il y aurait moins de coups d'État, il y aurait moins de dictatures et il y aurait moins de morts. Donc, les anciens présidents de Bénin doivent être remerciés. D'abord parce que quand ils vont à l'étranger, ils ne cherchent pas à passer par la mafia internationale pour faire des coups d'État. C'est ça qui est très mauvais dans certains pays africains. Un chef d'État, il n'est plus dans son pays, il va voir la mafia, il arme les gens et c'est la guerre civile. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux risquent de finir. Ceux qui s'acharnent à faire ça, ceux qui s'amusent à faire ça, eh bien nous leur disons bienvenue à la CPI. Je le dis une fois de plus. Parce qu'on dit l'Union internationale, l'Union africaine, mais l'Union africaine doit avoir ce que j'appelle une juridiction pour dire au président, et je salue d'ailleurs Abdou Diouf. Abdou Diouf est resté longtemps au pouvoir après Senghor. Abdou Diouf a fait l'OIF. Et puis tout d'un coup, c'est Abdou Diouf qui dit un mandat renouvelable une seule fois. Je regrette d'avoir été très longtemps au pouvoir, mais c'est une très bonne chose. Il n'est jamais tard pour bien faire. Donc Abdou Diouf, il doit dire aujourd'hui à tous ceux qui veulent s'acharner à prendre le pouvoir pour le pouvoir, tous ceux qui veulent rester au pouvoir, de dire il est temps finalement
d'appliquer la charte du Mandé, un peu comme font actuellement les Béninois. Tu ne peux pas faire aujourd'hui de coup d'État au Bénin. Les institutions sont fortes et les hommes sont équilibrés. Les deux doivent aller ensemble. Un président équilibré, sérieux, profond, bâtisseur, avec des institutions fortes, on avance. Donc il faut saluer ces anciens présidents qui ne font pas de coup d'État contre actuellement Yahi Boni. Yahi Boni, c'est son dernier mandat et on lui a dit il n'est pas question de faire un troisième mandat. Et ça, c'est une très bonne chose. Aussi longtemps que les Africains s'inspireront de ce qui se passe au Bénin, après maintenant le Burkina Faso, je pense que l'avenir peut être prometteur. Jean-Marie, vous partagez cette analyse sur la sagesse des anciens présidents du Bénin ? Tout à fait. La sagesse des anciens présidents du Bénin, c'est quelque chose qui est marquant parce que bon, les conférences nationales sont nées en Afrique et ces conférences nationales-là, depuis qu'elles ont été appliquées au Bénin, vous n'avez plus de problème, si vous voulez, politique sur la scène béninoise. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont pris, comme disait tout à l'heure M. Lansana, qui ont pris conscience de ce que représente leur peuple et de leur histoire. Et il y a un autre point que je voudrais aborder là-dessus. Vous savez, chez nous, en Afrique, on nous dit toujours, il y a un vieux qui meurt, c'est une partie d'une bibliothèque qui brûle. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont l'histoire de leur pays, dont ils ont pour fonction de pouvoir la perpétuer dans le temps et d'éduquer, si vous voulez, les populations qui sont là. Maintenant, ça, c'est au niveau moral, au niveau éthique des choses. Maintenant, au niveau politique, on peut dire qu'au niveau politique, il faudrait que toutes les constitutions africaines donnent un statut au chef d'État africain en tant que tel. Plus les ministres, tout simplement pourquoi ? Parce que on arrêterait, si vous voulez, un phénomène que nous connaissons dans la plupart, je ne dis pas on l'arrêterait jamais totalement, qui est la corruption. Ça veut dire quoi ? Quand vous avez un individu, je considère que c'est tout à fait humain, quand vous avez un individu qui vient en poste et qui se dit que je ne sais pas combien de temps je suis là, je resterai là pendant un an et demi, deux ans, après on va me foutre à la porte. Je veux me retrouver comment ? Je me retrouverai dans une situation, si vous voulez, qui fait en sorte que ces gens-là, dès leur entrée au pouvoir, vous n'avez pas de préoccupation concernant la population. Vous avez des préoccupations qui sont des détournements, des deniers publics pour pouvoir se prémunir pour l'après-pouvoir. Donc un statut avec des avantages matériels, avec financiers. Avec des avantages matériels qui font en sorte que ces gens-là, on sécurise leur vie après la présidence. Regardez un peu ce qui se passe au Bénin. Au Bénin, vous avez un président de la République qui est reparti être maire dans son, comment on dirait, dans sa propre ville. Et l'apport de M. Soglo, c'est un apport qui est énorme vis-à-vis de la jeunesse béninoise, vis-à-vis, comment dirais-je, de la classe politique et de la scène politique. International. Donc à partir de là, il faudrait que dans toutes les constitutions africaines, que nous introduisions cette notion-là de sécuriser ces gens-là, parce que être politicien, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qu'on occupe pendant un certain temps. Et les gens qui sont là-dedans, qui n'ont pas de métier à côté, il faudrait quand même les sécuriser. Et ça permettrait, si vous voulez, que l'Afrique se développe de manière autonome et de manière très, très, très efficace. Dans la mesure où, regardez aujourd'hui, les fonds qui sont détournés dans toutes les économies africaines qui se retrouvent à l'étranger, mais ces fonds-là devraient... aurait pu servir, si vous voulez, au développement de l'Afrique. Donc, mettons, si vous voulez, de l'ordre dans notre classe politique et nous allons favoriser et notre développement économique et notre développement social et le développement de la démocratie dans nos États africains. – Gracien, vous êtes d'accord, il faut assurer un vrai statut aux anciens chefs d'État. Est-ce que c'est un moyen aussi de favoriser l'alternance politique ?– Non, je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec mon ami. Parce qu'en fait… Il faut savoir qu'il y a, dans plusieurs pays, il y a des lois qui sécurisent les anciens présidents avec des avantages. Pratiquement, ça a été fait dans plusieurs pays. Mais ce qu'on voit en Afrique, même dans les pays où on a les anciens présidents qui ont des avantages, il y a toujours ce problème-là de corruption. Je ne sais pas si ce n'est pas suffisant. Il y a certains présidents qui ne sont pas habitués à... Il y a certains qui sont partis de l'État pauvre, qui arrivent avec des moyens qui sont à la fin, ils ont par exemple l'équivalent d'un régime d'un vice-président. Donc ils ont des moyens, ils ont la sécurité, ils ont tout, mais ça ne les empêche pas de continuer à voler dans les caisses de l'État, à être corrompus, ça ne les empêche pas de vouloir rester au pouvoir, donc de continuer comme si vraiment ils se sont enrichis, ils veulent continuer à avoir plus, des fois même. On connaît plusieurs chefs d'État africains qui n'ont pas profité de ce qu'ils ont volé. Donc c'est vraiment une autre maladie. Je voulais juste, si vous permettez, juste parler du Bénin pour parler de la sagesse
des gens du Bénin. Je pourrais juste ajouter, c'est une sagesse qui vient de longtemps quand on remonte dans l'histoire du Bénin, ancien Dahomey. Je me rappelle un ancien roi du Dahomey qui s'appelait Guézo, qui disait que si tous les filles et les fils de la nation apportaient leurs mains pour boucher les trous de la nation, le pays serait sauvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien les Béninois, même ceux qui arrivent au pouvoir, qui pensent aussi à sécuriser au moins le pays, ne pas vouloir rester au pouvoir. Mathieu Kérékou, c'est un militaire qui a fait un coup d'État, mais qui s'est vraiment attelé à bien organiser le pays, aussi à quitter le pouvoir. Il a été parmi les premiers à quitter le pouvoir, alors qu'il avait la force militaire de rester au pouvoir. Donc c'est vraiment un cas à saluer, qui remonte, justement, je voulais aussi, qui remonte dans l'histoire. Je pense que les Béninois vont encore puiser dans l'histoire ancienne de leur pays. C'est une bonne chose. Les autres pays aussi pourraient le faire. Alors justement, Monsieur Camara, est-ce que c'est le rôle des anciens chefs d'État d'être des médiateurs dans la crise? Totalement. Un bon chef d'État, quand il n'est plus au pouvoir, doit faire en sorte que l'enseignement passe. Il faut donner ce que j'appelle, c'est l'exemple qui vaut la peine. C'est-à-dire que si vous avez été bon, si vous avez été droit, si vous avez bien conduit votre pays vers l'unité, le travail, être conscient. Les Africains, c'est dommage. J'ai peur que ma génération, qui a vécu à un moment donné dans la ferveur, il fallait l'indépendance, bâtir des États forts, se faire respecter. Ça, c'était notre créneau. Nous, quand on soutenait à l'époque Ahmed Sékou Touré, mais avant Ahmed Sékou Touré, j'ai connu Amilcar Cabral. J'avais peine 16 ans. Amilcar Cabral, c'était un ingénieur agronome d'une sagesse infinie, d'une modestie infinie. Quand il venait nous voir, il disait « Je suis ingénieur agronome, je veux aider le paysanat, je veux moderniser l'agriculture. » Et puis jusqu'à ce qu'on l'ait assassiné. Et puis il y a Ahmed Sékou Touré. On peut tout reprocher à Sékou. Au départ, il a été un excellent patriote, même si par la suite il a commis l'irréparable, le camp Boiro. Je condamne les crimes commis au camp Boiro, mais je dis que la France-Afrique a beaucoup joué. Il y avait deux camps Boiro. Il y avait le camp Boiro du camp Kamayen, il y avait le camp Boiro de la désinformation par les Bob Denard, les Foka. C'est ça la vérité historique. Donc nous disons qu'un chef d'État qui a été solide, qui a été intelligent, qui a conduit son pays vers la prospérité, vers une véritable indépendance culturelle, c'est important. Sékou Touré, il y avait, à son époque, hein, il y avait ce que j'appelle les semaines de culture. Il y avait la manière de forger la jeunesse guinéenne. Il a commis des erreurs, mais il a été à un moment donné un excellent patriote et il faudrait équilibrer tout ça. Donc un bon président qui a bien travaillé, qui a aimé son pays, comme Kérékou, voilà des gens qui doivent passer le flambeau à la jeunesse. Ce sont des exemples. Ce n'est pas comme certains chefs d'État, et il a bien fait de le dire, qui s'enrichissent, qui viennent acheter des appartements à Paris. Mais ce n'est pas bon. Il faut construire dans nos capitales, dans nos villages. Ce n'est pas la peine de venir acheter des appartements ici. Et puis vous partez, la France-Afrique, la mafia juridico-politique prend tout. Vous n'avez plus rien, ni vos familles, ni quoi que ce soit. Donc il faut que ceux qui sont conscients, qui aiment l'Afrique, avec nos matières premières, nos puits de pétrole, nos mines de diamants, soyons capables de bâtir nos pays, de nous faire les uns et les autres confiants. Et je pense que de ce point de vue, un bon chef d'État, d'ailleurs qu'il quitte, et il a raison, il faut lui donner les moyens de rester au pays, comme les Kérékou, comme les Soglo. Ils sont dans leur pays et il faut venir les consulter. Voilà. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Congo, le débat sur le changement ou non de la Constitution continue à animer la classe politique. À l'occasion des 13 ans de son adoption, les partis politiques de la majorité présidentielle ont signé une déclaration dans laquelle ils appellent au changement de la loi fondamentale, une démarche rejetée par l'opposition. Et aux Comores, après plusieurs reports, les élections législatives auront enfin lieu ce 25 janvier. Un véritable test pour le pouvoir avant la présidentielle de 2016. Pour l'instant, les inquiétudes portent sur l'organisation du scrutin. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.